regarder les courriers que j'avais reçus, c'était très compliqué. Je les ai relus plusieurs fois, c'était toujours aussi compliqué. Bref, j'ai retrouvé celui qui me disait que j'allais être convoqué, invité, je comprenais rien. J'y suis allé. J'ai montré mon courrier, on m'a dit c'est au fond là-bas. J'ai cherché, j'avais peur, j'avais chaud, j'allais faire demi-tour, mais j'ai fini par trouver. J'ai frappé, j'ai ouvert la porte, je me suis assis. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. On s'est regardé, j'ai attendu. Ça aurait dû se passer autrement. Je suis rentré dans la pièce, elle s'est levée, on s'est serré la main, elle m'a proposé à boire et on s'est assis. Elle était sympa. On a parlé, elle m'a écouté, elle a compris ce que je voulais. Je savais pourquoi j'étais là. On est arrivé, elle m'a présenté, il la connaissait. Ils m'ont regardé, ils m'ont expliqué. Et j'ai adhéré. Bref, je suis allocataire, mais pas que. On m'a appelé, j'ai rendez-vous demain à 11h, je peux pas y aller. Bref, je me suis coiffé, décoiffé, recoiffé, habillé, changé, rechangé, ça va aller. Comment j'y vais? Pas de permis, bus, métro, c'est compliqué. J'ai cherché, c'est pas donné. J'ai paniqué. Je suis arrivé, je me suis planté. J'étais en retard. Je rentre chez moi. Ça aurait dû se passer autrement. Elle m'a emmené, m'a préparé, m'a rassuré. Je me sentais prêt. On y était. On est entré, il s'est présenté, je me suis présenté. On a visité, j'ai accroché. C'est ce qu'il me fallait. On a échangé, il m'a expliqué, j'ai pu essayer. On était ok. Bref, j'ai eu un entretien d'embauche.